Un hangar a été entièrement détruit par les flammes dans la nuit de mardi à mercredi à Plougastel d'Aoulas. L'alerte a été donnée à 3h du matin et 17 pompiers sont intervenus pour tenter de maîtriser le feu. Il aura fallu 3h30 pour venir à bout du sinistre et constater la destruction totale de ce hangar de 300 mètres carrés. Personne n'a été blessé et l'origine du feu est inconnue pour le moment. Roland Beaumanoir pousse un coup de gueule contre les grands bailleurs des centres commerciaux. Le fondateur éponyme du groupe de textile de Saint-Malo a adressé une lettre au président du conseil régional Loïc Chesnais-Gérard. Une lettre dans laquelle il dénonce le maintien des loyers pour bon nombre de boutiques dans les centres commerciaux. Le président de la région a de suite transmis cette lettre au ministre de l'économie Bruno Le Maire dans l'espoir de faire bouger les choses. Et si le masque de plongée de Decathlon était réellement efficace pour se protéger du coronavirus? C'est en tout cas ce qu'ont prouvé les soignants des services de réanimation du CHRU de Brest. Le professeur Erwan Ler en a d'ailleurs commandé 65 ce mercredi matin. Ces équipements ont été offerts par les magasins de Brest et de Quimper. Une alternative étanche et disposant d'un filtre qui serait plus durable qu'un masque FFP2, selon le professeur. L'église de Trémel retrouvera bientôt sa charpente. 4 ans après l'incendie qui avait ravagé l'édifice, charpentiers et sculpteurs travaillent d'arrache-pied pour lui offrir une seconde peau. Et la charpente est refaite à l'identique, même les sculptures datant du XVIe siècle sont reconstituées. Après avoir suspendu ses activités le 17 mars, les ateliers Perron ont repris l'activité il y a quelques jours. Les premières pièces pourront être posées cet été. C'est sans doute l'une des images du week-end dernier à Arzon dans le Morbihan. Pas de baigneur sur la plage de Kerjoineau, mais un chevreuil. Une habitante de la commune a immortalisé cet instant et l'a publié sur sa page Facebook. L'animal s'est baigné une bonne demi-heure avant de finalement retourner dans la forêt. Comme quoi, le confinement profite à certains.